Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre des conférences de l'Université catholique de Lille et de l'accord conclu entre les conseillers du commerce extérieur de la France et de la FLSH, j'ai l'honneur de recevoir M. Vincent Stempin. M. Vincent Stempin, bonjour. Bonjour. Bien, M. Vincent Stempin, vous êtes directeur du groupe Mupro France. Pouvez-vous vous présenter, votre entreprise également, et dire en quoi consiste l'implantation de votre entreprise en France, en Europe et en Afrique? Eh bien, je dirige la filiale française d'une ETI allemande. C'est une ETI allemande qui est très caractéristique d'ailleurs du tissu industriel exportateur du modèle allemand, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire. C'est une entreprise qui représente 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, la filiale française en étant la première filiale étrangère. Et c'est une entreprise qui est une entreprise industrielle, donc une ETI industrielle sur des produits de niche, haut de gamme, une entreprise très exportatrice. Quand vous dites ETI, c'est quoi ETI ? Alors, une ETI, d'après la définition de l'INSEE, donc il s'agit de ces entreprises qui sont donc des entreprises de taille intermédiaire, en allemand on appelle ça un Mittelstand, ce sont des entreprises qui se situent en termes de taille entre les PME et les grands groupes, c'est-à-dire entre 250 et 5000 salariés. Et il est vrai que les ETI allemandes, il y en a plus de 12 000 aujourd'hui, c'est-à-dire deux fois plus que leurs homologues françaises, oui, ont des caractéristiques propres qui sont, comme je vous le disais, qu'elles sont des entreprises industrielles sur des produits donc, de haut de gamme, très exportatrices. Mon groupe, qui est de petite taille, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, comporte 14 filiales dans le monde. Et ce sont des entreprises qui se développent à l'international, qui maintiennent de fait une industrie en Europe et qui sont souvent leaders dans leur marché. Donc voilà, je représente la filiale française de ce modèle de l'ETI allemande que les Français envient tant par leur nombre, leur vitalité et notamment leur performance à l'export en fait. D'accord. Mais je tiens quand même à préciser que les conseillers du commerce extérieur de la France ont pour mission de conseiller les pouvoirs publics, d'accompagner les entreprises non expérimentées et de promouvoir l'entrepreneuriat au niveau international. C'est dans ce cadre effectivement que vous travaillez aussi. Absolument, en fait, oui. Donc moi aujourd'hui en France, en tant que conseiller du commerce extérieur, je m'attache plus particulièrement sur le volet formation à venir apporter mon témoignage d'une personne donc qui, comme moi, travaille dans ce monde ouvert, alors en relation spécifiquement avec une maison mère allemande et le marché allemand. Voilà, j'espère un témoignage qui parlera aux étudiants, qui leur donnera sûrement des idées, et notamment le programme du volontariat à l'international en entreprise, le VIE, qui permet donc à de jeunes étudiants d'acquérir une première expérience professionnelle en travaillant pour une entreprise française, oui, à l'étranger. Oui. Et ça fait donc notamment partie des messages que j'essaie de diffuser de toute façon, auprès de la jeunesse en fait. De toute façon, on y reviendra sur les VIE. Alors, je vous ai entendu parler de l'implantation de votre entreprise. Il y a bien une implantation dans les Hauts-de-France, de plusieurs entreprises, en Europe, en Afrique aussi. Bien sûr. Bien sûr, l'entreprise Mupro France que je dirige a un siège social dans les Hauts-de-France. Donc nous avons une petite cinquantaine de salariés sur la petite centaine que nous avons sur le territoire français. Et au départ de la France, nous sommes lancés également il y a 2 ans à la découverte, à la conquête de marchés étrangers, notamment en Afrique. Donc nous avons commencé par adresser les marchés d'Afrique francophone. Donc nous sommes allés au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. À travers ces développements, nous avons d'ailleurs embauché jusqu'à 4 VIE différents que nous suivions au départ de France et que nous avons accompagnés. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons la chance d'avoir comme terrain de jeu non seulement le marché hexagonal, mais également au départ de France, la gestion des principaux marchés en Afrique, qui est aussi effectivement un challenge extrêmement intéressant pour nous. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus concret en nous? On en a parlé déjà suite à la conférence que vous avez donnée auprès des étudiants de LEA. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous avez apporté aux jeunes inscrits dans la démarche de volontariat, ce que vous mettez à disposition pour qu'ils aillent travailler sur le terrain? On sait qu'il y a toujours la peur peut-être d'arriver sur un terrain comme l'Afrique, être dans des pays où on n'a pas toujours un référentiel bien maîtrisé. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place
pour que ces jeunes-là acceptent de jouer le jeu d'aller à l'international ? Alors, vous avez tout à fait raison, puisqu'il y a des pays qui peuvent paraître comme ça un peu lointains, disons-le, pour nous ici dans les Hauts-de-France. Pour autant, le dispositif VIE est géré par Business France, qui est donc l'agence de l'État française qui promeut l'export des entreprises. Et dans ce cadre-là, les VIE sont pris en charge administrativement, sont logés dans des bureaux de Business France, donc de l'État français dans les pays. Et donc, ils sont évidemment pas du tout laissés, je dirais, seuls ou livrés à eux-mêmes. Et puis, nous, en tant qu'entreprise, eh bien, au préalable de l'arrivée de ces VIE, nous avons fait réaliser des études de marché pour que ces VIE puissent disposer d'un minimum d'informations sur nos marchés, les principales entreprises qui avaient été sélectionnées, pour qu'ils puissent commencer à travailler. Et puis, environ tous les 3-4 mois, des salariés au départ de France, eh bien, se déplacer pour aller accompagner les VIE. Une fois les premières recherches effectuées et une fois les premiers contacts établis avec des prospects particulièrement. Quelle est la durée moyenne d'une séance de travail d'un volontaire qui s'engage dans cette démarche-là? Est-ce que, plus concrètement, est-ce que pour les étudiants en quête de stage, ça va de 2 mois à 6 mois pour les masters? Est-ce que ça pourrait s'inscrire dans cette dynamique? Alors, le programme VIE peut se faire donc dans une durée de 2 ans maximum. D'accord. Et à l'intérieur de ces 2 ans, la période peut être renouvelée une fois. Donc ça veut dire qu'on peut très bien imaginer sur plusieurs mois une période d'un jeune étudiant en tant que VIE, en fait. Oui. D'accord. Alors, je précise que nous avons fait une conférence ce matin où vous étiez en face d'une cinquantaine d'étudiants. Oui. Ils vous ont posé des questions que vous avez fort bien appréciées. Oui. Je voudrais que vous livriez un peu aux téléspectateurs qui nous regardent votre sentiment à l'issue de cet échange avec les étudiants. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé des questions très, très pertinentes sur le business et les orientations de l'entreprise, parce que le groupe pour lequel je travaille a entamé une démarche à l'export et en Afrique spécifiquement, en sachant qu'il y a plein d'autres zones du globe que nous ne couvrons pas, et notamment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, il y a eu des questions assez pertinentes sur pourquoi on fait des choix d'aller en Afrique. Oui, vous d'ailleurs provoqué sur votre absence sur l'Amérique absolument. Du Sud. Donc, c'est une remarque extrêmement importante, parce que j'imagine bien, sans les connaître, que les marchands en Amérique du Nord et en Amérique du Sud sont assurément plus importants que ceux de certains pays d'Afrique. Mais je leur ai sur ce point répondu qu'aujourd'hui, eh bien, nous faisions les choses par étapes. Nous sommes une petite entreprise, en fait, puisque le département export de l'entreprise est devant vous. Donc, on peut difficilement tout faire en même temps. Et donc, nous sommes allés d'abord sur des marchés proches, alors proches géographiquement, proches par la langue, oui. Le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne s'interdit évidemment pas à l'avenir d'autres développements. Mais faisons les choses, effectivement, de manière ordonnée et sérieuse, comme d'ailleurs la maison mère allemande l'adore, dans un premier temps, en fait. Oui, il faut quand même dire que votre implantation sur le continent africain vous est un peu facilitée par la renommée que les produits allemands ont auprès des consommateurs de ces marchés. Absolument. Alors, j'ai la chance également de promouvoir, de développer cette entreprise qui est adossée sur une histoire donc il y a plus d'un demi-siècle, sur un savoir-faire technique qui a rendu cette marque connue. C'est-à-dire que, de manière très concrète, je pourrais vous citer l'exemple l'année passée d'un prospect, d'un grossiste, un distributeur au Maroc, avec une interlocutrice qui me disait « Mais moi, si, je connais vos produits, j'ai du Mupro en stock. » D'accord. Alors, je m'interrogeais en disant « Mais je ne les connais pas. Alors, peut-être un produit venu dans ce pays de manière indirecte. » Cette dame est allée me chercher la facture des produits qu'elle pensait être Mupro. C'était des produits d'origine turque. Mais dans l'inconscient collectif, le produit était devenu, notre marque est devenue un nom commun, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement un point fort. C'est l'image d'une made in Germany, la dimension très qualitative des produits fabriqués en Europe de l'Ouest, dont la réputation va donc bien au-delà de l'hexagone français, en fait. D'accord. Donc, on sait, on remarque, moi, en tant que responsable de département, je démarche un peu les lycées, les collégiens, pour les intéresser à la langue germanique auprès de nos étudiants. Vous l'avez dit, et c'est vrai que d'après les statistiques du rectorat, il y a enfin environ 50% d'étudiants, d'élèves qui pratiquent l'allemand en LV2 et 50% qui pratiquent l'espagnol en LV2 et simplement 15% qui pratiquent l'allemand. Or,
on constate quand même que dans le bassin des Hauts-de-France, il y a plus d'entreprises germaniques, allemandes, qu'espagnoles. Comment est-ce qu'on peut faire pour intéresser les jeunes à cette langue ? Vous avez raison, c'est un point important. Il y a alors, dans les Hauts-de-France une grosse présence d'entreprises industrielles. L'Allemagne est par ailleurs le premier partenaire économique de la France en termes d'échanges à l'import, à l'export. Et pour autant, les étudiants, les collégiens, les lycéens font preuve d'un vrai désintérêt pour l'apprentissage de la langue. Alors, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui sont pensées comme des a priori. C'est une langue difficile à apprendre, l'anglais suffirait. Écoutez, moi, je suis juste venu et pour le coup témoigner aujourd'hui et montrer que l'apprentissage de la langue pouvait offrir de vraies opportunités professionnelles, offrir au sein d'un groupe de vraies évolutions, car c'est une langue qui reste importante dans le cadre franco-allemand et en particulier pour des hiérarchies en Allemagne et qui est, pour le coup, peu pratiqué par les enfants et par les générations aujourd'hui en France. Et c'est donc un vrai plus en termes d'employabilité, de développement. Et puis aussi, plus basiquement, je pourrais vous prendre l'exemple d'un cadre que j'ai recruté récemment sur notre siège d'Arras, où le cabinet de recrutement m'expliquait qu'à poste équivalent, la personne que je cherchais avec la langue allemande, eh bien, coûtait, entre guillemets, 20% plus cher qu'un salarié qui ne parlait que l'anglais. Donc il y a un vrai plus, à mon sens, en France et spécifiquement dans les Hauts-de-France, à apprendre cette langue. D'accord. Donc, de toute façon, c'est un excellent message, là, un pied d'appel lancé en direction des étudiants de LEA, enfin, ceux qui étudient l'allemand, de savoir qu'en termes d'emploi, ils pourraient effectivement, comme en Allemagne, frôler le plein emploi, surtout dans la Bavière et le sud de l'Allemagne. Il y a évidemment le côté français dont nous parlions, les implantations, les opportunités qui sont, le fait qu'en France, peu de Français maîtrisent cette langue et sont en mesure d'échanger au sein d'une entreprise franco-allemande. Et puis, il y a également ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, avec un marché, avec des zones de plein emploi. Effectivement, le Bade-Württemberg, la Bavière, donc dans le sud de l'Allemagne, je pourrais aussi vous citer les régions autour de Francfort et d'Hambourg au nord, qui sont des zones de plein emploi, où aujourd'hui, malgré les nuages qui s'amoncellent sur l'économie internationale pour une économie exportatrice comme l'Allemagne, eh bien, le plein emploi est là, le taux de chômage est inférieur à 4%. Il y a également un trait qui est important de souligner pour les jeunes générations qui doit aussi leur donner l'envie, en tout cas le goût de persévérer en allemand pour ceux qui trouvent que c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il y a également en Allemagne une pyramide des âges qui fait que la population globale diminue année après année. Et qui dit population globale dit également population active. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des besoins qui se chiffrent en centaines de milliers de jobs qui sont ouverts. Et donc, autant d'opportunités pour les jeunes étudiants français qui, avec la maîtrise de la langue, pourraient s'y insérer sans aucune difficulté aujourd'hui. Monsieur Stimpin, c'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci Très beaucoup bien. D'être venu. Avec plaisir. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir pris part en assistant à cette autre rencontre organisée dans le siècle des conférences de l'Université catholique de Lille. La FLSH a le plaisir donc de recevoir aujourd'hui M. Stimpin qui reviendra. Il y aura d'autres émissions, d'autres rencontres avec des étudiants de master notamment. Et c'est le lieu pour moi de terminer l'émission en remerciant Mme Venner, Mme Lambrecht, M. Dubois et tous les collègues du Media Lab, de la communication qui ont bien voulu préparer cette émission. Je pense aussi à Caroline Decoq qui s'est démêlée à ce que nos invités puissent être accueillis dans de meilleures conditions. À une prochaine. Merci.